Thiago Silva dans l'équipe et lui il est capitaine. Bonjour tout le monde. Bon, petite tenue pour aller au mall. J'ai 2-3 rendez-vous. Toujours aussi contente de mes cheveux. C'est mon chéri qui m'a offert ce sac hier. Je le voulais trop. C'est une édition limitée et je m'y attendais pas du tout. Mes nouvelles petites paires de baskets de chez Clarosa. Alors gros coup de cœur, sort trop. Donc toujours voilà le petit élastique ici, la petite semelle. Ensuite j'ai pris cette petite paire de sandales que je trouvais hyper jolie. Je vais vous les montrer porter. En gros c'est vraiment la petite paire de claquettes idéale. Et voilà ce qu'elles donnent quand elles sont portées. Elles sont juste trop jolies. Je vous montre. Pour terminer, petite paire de sandales à talons. Donc en ce moment, c'est très tendance cette hauteur de talons. En gros, c'est genre les petits talons, mais hyper accessibles. Enfin, vous pouvez les mettre vraiment un soir d'été. Je trouve qu'elles sont canon. Et voilà ce qu'elles donnent une fois portées. Elles sont vraiment trop classe. Toutes les paires sont disponibles sur le site de clarosa.fr. Vous avez moins 30% avec le code promo MADIT. Sinon, j'ai fait quelques petits achats. Un Bershka, j'ai trouvé ce petit short avec. À chaque fois, il y avait des trucs, je me disais, ouais, pour les brunes, c'est stylé, mais pour les blondes, un peu moins, ou l'inverse. De chez Calvin Klein. Voilà. Sinon, là, je suis en train de continuer de faire retirer tout ce qui est cadre, miroir, pour retirer les cadres. Donc là, ma maison, ça fait trop bizarre parce qu'elle commence à être vraiment vide. Il reste maman avec la sienne et tout, ça va être trop cool. Et en plus, j'ai ma meilleure amie qui arrive demain soir, donc je suis trop contente. Moi qui voulais lui montrer l'avance. Donc en gros, fin du mois de mai, j'aurai officiellement rendu ma maison, famille, nos amis, etc. Et d'ailleurs, on a réservé hier avec Steph, Théo et Flo Mykonos. Un petit peu à la dernière minute, parce que bah, forcément, avec le Covid et tout, on ne sait pas encore trop. Et on reviendra sur Dubaï fin août, début septembre, je pense, pour bah, justement laisser. Retour à la maison, on avait quelques rendez-vous avec mon chéri, là il est parti au paddle. Moi du coup je suis à la maison, c'est sur mon site que ça se passe. Et pour ce qui concerne le teint, donc vous le savez, je vous le répète régulièrement, à Dubaï je ne me maquille, donc notamment le soir quand je sors, ou par exemple aujourd'hui j'ai mis un teint qui d'apparence est blanc, mais en fait quand vous l'appliquez au contact de la peau, il prend la teinte de votre peau. Puis il va se teinter en fonction de votre carnation de mes couvrants. Donc du coup ça enlève les imperfections, ça a l'effet fond de teint. Sauf qu'en fait vous voyez teinté de la couleur donc de ma peau. Donc ça c'est juste trop bien. Il est fluide, il n'y a pas besoin de changer de fond de teint quand vous êtes bronzé, quand vous êtes moins bronzé. Enfin franchement il est juste trop bien. Donc regardez, je vous montre sans filtre. Il n'y a aucune différence de teinte avec ma peau. Et pourtant, j'ai bien appliqué le fond de teint, votre couleur de peau, et je trouve que c'est juste trop bien parce que ça vous permet vraiment d'être sûr d'avoir la bonne teinte pour appliquer. Je suis hyper contente puisque j'ai reçu mes petits produits de chez Lively Bodies. Donc j'ai pris une eau florale de rose, c'est ce que j'utilise pour me démaquiller, enfin après ma végétale de coco. Donc ça c'est idéal pour laisser poser sur les cheveux ou tout simplement pour hydrater la peau. Voilà l'huile de coco, moi j'en suis vraiment fan, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, à manger, pour tout en fait. Du coup j'ai pu recevoir de nouveaux flacons, donc je vais vous montrer. Donc du coup là je sors de la douche, je me suis donc démaquillée le visage, du coup le teint est nickel. Et après m'être démaquillée, j'applique l'eau florale, donc sous forme de spray. Ça c'est trop, ça fait une peau vraiment pure. Enfin franchement je sais pas comment vous expliquer la sensation, mais c'est tellement agréable. C'est des produits 100% naturels à base de plantes, utilisés pour le visage, c'est vraiment la base. Éviter les bactéries, l'apparition de boutons, ou même pour calmer les rougeurs, les irritations ou autres, c'est trop. Moi c'est vraiment l'huile indispensable à avoir, qui peut servir aussi bien pour laisser poser sur. Simplement parce qu'ils ont énormément de choix sur leur site, que ce soit les huiles végétales, les eaux florales, tout est 100% naturel. Voilà, ils recherchent les produits dans les quatre coins du monde. Sympa sur le site, moi c'est vrai que c'est ce que je privilégie le plus depuis quelques temps maintenant. J'essaie vraiment de passer sur des produits. De produits naturels, vous retrouvez sur le site Lively Bodies toutes les huiles végétales, les eaux florales. Vous avez des accès. Bon, du coup, dilemme ce soir, on ne sait pas quoi manger. J'ai envie de salle, mais je vais pas manger du sale. Quoique je m'accompagne jamais trop dans le sale de la semaine. Quoi ? Moi je mange du sale toute la journée, c'est ça le problème. Mais ouais. C'est pas. J'aime ça, grignoter. Du coup quand j'ai envie de faire du sale pendant les repas, tu dis. Il s'est pris une manche.